Frontière soudano-tchadienne. Il y a quelques jours encore, rien ici ne marquait le passage d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, à plus de 1000 km au nord-est de N'Djamena, mais à moins de 30 km des premières positions libyennes, les forces armées du nord d'Issenabré ont installé leur PC principal. C'est à la fin du mois de janvier que les troupes fidèles à Issenabré ont abouti ici, à Koulbous, à 400 mètres de la frontière soudanaise. Chassés de N'Djamena par l'arrivée des Libyens et de leur équipement militaire écrasant, il n'y avait pour eux à l'époque d'autre choix que celui de la retraite. Et celle-ci, après une longue marche, les a amenés sur la frontière, aux limites du désert, dans leur ancien sanctuaire du nord-est, toujours intact. Bon, viens ici, gardez l'écoute, après avoir fini l'appel collectif, vous passez votre communication. Oscar 3. Oscar 0730 Alpha, Foxtrot Maïka. Foxtrot Maïka, chef deuxième bureau en mission à Lima 21. La défaite infligée en janvier à Issenabré n'a pas réglé pour autant le sort du pays. Après leur retrait de N'Djamena, les fans ont réussi à préserver l'essentiel de leurs forces en hommes, si ce n'est en matériel. Aussi, depuis leur repli dans le nord-est, les fans ont-ils pu se réorganiser et renforcer leurs principaux PC, reliés entre eux par radio. Annoncez le trafic. Oui, également, baisser à vous. Oscar Tango Echo, Loto, Loto comme Lima, Oscar Tango Oscar. Lima Oscar Tango Oscar, la vie comme Lima Alpha Victor India Sierra. Vous vous êtes rendu sur le terrain, vous avez visité un certain nombre de zones occupées par les fans, à savoir dans la région du Wadaï géographique, dans une partie du BET. Il va sans dire que les fans existent ailleurs au Tchad, jusque y compris dans le nord du Tchad, au nord de Fayal-Arjou. Aujourd'hui, les fans tiennent avec la quasi-totalité de leurs forces organisées cette portion du nord-est tchadien adossée au Soudan. Elle fait face aux deux principales villes de la région occupées par les Libyens, Fada et Abéché. Ailleurs, près de Fayal-Arjo et plus au sud, il ne reste que des groupes de partisans encore isolés, mais que l'on voit parfois arriver à Koulbous pour s'y ravitailler en munitions. Incontestablement, nous avons des partisans dans l'ensemble du Tchad, du nord du Tibesti au sud et de l'est à l'ouest. Combien sont-ils en tout ces combattants tchadiens qui ne rêvent que de chasser les Libyens? 2000, 3000, plus? Difficile à dire. En tout cas, leur armement est pour l'instant insuffisant face aux chars et aux avions libyens. L'aide extérieure, qu'on dit égyptienne, semble se faire attendre, du moins pour l'armement lourd. Alors, avant de reprendre l'offensive, les forces armées du Nord s'entraînent dans les montagnes. Pour ces combattants, la situation est claire aujourd'hui. L'ennemi est avant tout libyen. On entend rarement parler des forces de la coalition tchadienne, pourtant nombreuses, qui luttent à côté des hommes de Kadhafi. Pour les fans, la troisième guerre du Tchad a commencé. Je pense que cette situation, qui est en fait une clarification historique du processus de lutte de libération, est une étape très importante
C'est une étape qui a pu dessiller beaucoup de yeux, qui a pu ouvrir beaucoup d'oreilles, tant sur le plan national que sur le plan international. Et c'est une étape également, incontestablement, qui a su faire la part des choses. Qui lutte réellement pour l'indépendance, la liberté, la dignité du Tchad? Qui est en train de poursuivre des objectifs non avoués? En quittant les abords de la frontière tchadienne, on s'enfonce vers l'ouest dans la zone Fan, jusqu'aux avant-postes qui font face à la ville de Guéréda, occupée par les Libyens. Nous sommes à côté de Guéréda, on peut faire 30 minutes. Nous sommes à 30 minutes de véhicule de Guéréda, oui. Où se trouve la première garnison libyenne. Oui. Et en ce moment, comment se passe la vie ici? Ici, ce sont des combattants et on n'a pas assez de moyens. Et ce sont, ils vivent grâce au concours de la population. Et les armes différentes que vous les voyez devant vous sont été récupérées sur l'ennemi. Et c'est pourquoi il y a différentes sortes d'armes. C'est tardé, rien. Donc on n'a rien. On ne reçoit rien de l'extérieur. Et ils sortent un petit peu de temps en temps d'ici, oui. Ils font des patrouilles. Ah oui, nous voulons. Il y a deux groupes qui sont partis en patrouille depuis hier et ils ne sont pas rentrés. Et toujours en direction de l'ennemi, bien sûr. Avec la perte de N'Djamena et des principales villes, les fans ont dû revenir en grande partie à la forme de combat qui avait été la leur à l'origine, la guérilla. Partout, les forces sont dispersées, essayant de se rendre insaisissables, et de chaque PC partent régulièrement des patrouilles à chameaux. Se déplaçant de jour comme de nuit en fonction des alertes aériennes, ces patrouilles, plus silencieuses et moins repérables dans le désert que des véhicules, assurent la surveillance de la zone Fan. Elles contrôlent, rassurent les populations sympathisantes et cherchent à se renseigner sur l'ennemi. Seul inconvénient, mais de taille dans la guerre moderne, la lenteur de ces patrouilles. D'après vous, Hissène Abré, que veut la Libye? La Libye veut beaucoup de choses au Tchad. D'abord, demandons-nous qu'est-ce qui pousse la Libye à vouloir absolument manger le Tchad. D'abord, des raisons philosophiques. Vous savez que Gaddafi a une conception particulière des relations historiques et des relations internationales et également de la vocation des États et des nations. Il se considère qu'il est le successeur lointain des grands chevaliers du Moyen-Âge. Il se considère le successeur du prophète Mohammed, dont il est d'ailleurs en train de réviser certains des hadiths. Et il estime qu'il a une vocation historique qui consisterait à régénérer le monde arabe, faire de ce monde une puissance, une grande puissance, à l'image des États-Unis, de l'Union soviétique et demain à l'image de la Chine. Donc il y a là des raisons profondes philosophique qui pousse Gaddafi à adopter une certaine attitude, une certaine politique dans le contexte international actuel. Il y a aussi des raisons plus pratiques, des raisons plus terre-à-terre, à savoir que ces régions sont riches
Et je prends le cas du Tchad. Effectivement, c'est une région, bien sûr, encore inexploitée. Mais incontestablement, de l'avis de tous les experts, c'est une région qui recèle d'immenses ressources. Et en particulier, le pétrole, l'uranium et d'autres minéraux très rares. Et Gaddafi, qui aspire à faire de la Libye une grande puissance, doté de l'arme nucléaire, un politicien bien plus averti qu'on le croit, jette toute sa puissance actuelle, ce pétrodollar. Et dans cette perspective, il considère le Tchad et un certain nombre d'États sahéliens comme faisant partie du monde arabe, de l'ère d'influence de ce qu'il est convenu d'appeler la nation arabe, et que par conséquent, Gaddafi est convaincu que la Libye, sa Libye, a le devoir d'annexer ses États avoisinants. Il y a de cela 2 mois que les Libyens étaient arrivés à bord d'un hélicoptère. Ils ont essayé de miner l'axe Guereda, plutôt Iriba Tine. Vous venez de constater que la population a clôturé avant de nous informer, et juste pour éviter les dégâts matériels. Et qu'est-ce que vous avez fait des mines à ce moment-là? Nous avons déminé une station. Oui. Mais il reste quelques mines antipersonnelles qu'on n'a pas pu faire sortir. C'est pourquoi il est bon de laisser clôturer. Et ces mines, vous les avez toutes récupérées? Oui, on a récupéré 23 mines anti-véhicules et 48 anti-personnels. Bénéficiant du concours de leur population, les femmes n'ont pas grand-chose à craindre de ce type d'opération. Mais la relative tranquillité dont ils jouissent à l'heure actuelle fait naître peu à peu un sentiment de sécurité pourtant très précaire. Partout, les caravanes continuent leur commerce et l'on se déplace presque comme en temps de paix. C'est seulement à Iriba que l'on craint vraiment une attaque ennemie. Iriba, dernière localité d'importance tenue par les fans, à moins de 100 km de la frontière, vit pourtant à l'heure de cette guerre. Elle attend et se prépare sans trop se tourmenter pour l'avenir. Peut-être avec trop de désinvolture, car c'est sans doute là que les Libyens porteront leur prochain coup. Quels que soient ses buts, Kadhafi risquerait de s'enliser dans les sables de cette brousse désertique à vouloir occuper chaque arpent du pays. Son armée, estimée à 4000 ou 5000 hommes au Tchad, semble pour l'instant ne pas vouloir s'y risquer. Elle se contente dans la zone Fan de patrouiller. Véhicule, d'accord. Et cette petite chose-là? Et ça, c'est une mine antipersonnelle. La mine qu'on a récupérée sur les champs, les mines que vous avez vues là-bas. Et une fois que vous les avez récupérées, donc, vous allez un jour les poser? Si on a déjà effectué cette opération, avant, il nous manquait des mines. Et maintenant que nous avons eu suffisamment de mines, donc on n'a pas besoin de commander d'autres mines. Ça, c'est le détonateur. À l'intérieur, bon, on forme bien. Comme toute armée d'invasion et d'occupation, les Libyens et leur horde de mercenaires se livrent à des exactions terribles, bien plus douloureuses, bien plus nombreuses qu'on peut le penser. D'abord, il y a les liquidations physiques. Ne serait-ce que pour vous donner un exemple, non loin de la ville d'Abéché et non loin de la ville de Guereda, plusieurs charniers ont été découverts. Par exemple, à environ 7-8 km de Guereda, on a découvert un charnier où on a identifié plus d'une cinquantaine d'hommes qui ont été systématiquement mitraillé. Donc il y a d'abord les liquidations physiques. Ensuite, il y a le viol de femmes.
de jeunes filles. Également, les arrestations arbitraires, les tortures, sous prétexte que c'est des sympathisants des fans, sous prétexte que c'est des gens anti-libyens. Il y a aussi le pillage systématique de la population. Par exemple, les Libyens n'achètent pas leur viande. Ils ramassent le bétail cadien. D'ailleurs, ils sont en train d'organiser un pillage systématique du cheptel tchadien en direction de la Libye. Ces propos, nous les avons entendus partout dans toutes les bouches. Mais il est pour l'instant impossible de se rendre dans la zone contrôlée par les Libyens pour les vérifier. Dans la zone Fan, les populations nomades continuent à vivre autour des puits. Toute cette région est conditionnée par l'existence de ces immenses troupeaux qui en font la richesse. Dans le cadre de la lutte contre la sécheresse, à ma connaissance et à la connaissance de tout Tchadien consciencieux, la Libye n'a pas donné un bol de riz. Mais la Libye est prête pour mettre tout son arsenal pour la destruction systématique du patrimoine tchadien. À Iriba, nouvelle et dérisoire capitale pour les fans, les responsables savent pouvoir compter sur cette population qui leur est depuis longtemps acquise. Évaluée dans la région nord-est à 100 ou 150 000 personnes, cette population représente un réservoir potentiel important pour les fans. Seules les armes manquent aujourd'hui pour étoffer les forces combattantes. Sans cette population, et malgré le soutien tacite du Soudan qui craint les visées de Kadhafi, les fans auraient du mal à survivre. Les problèmes que nous rencontrons sont immenses dans le domaine strictement militaire, autrement dit les problèmes multiples d'une armée, problèmes d'ordre logistique, armement, intendance, problèmes financiers, des problèmes de communication, d'autant plus que dans les secteurs où sont implantés les fans, c'est toute la population des régions avoisinantes qui viennent protection, fuyant les atrocités des armées d'invasion. On trouve ainsi au Soudan de 15 à 20 000 Tchadiens qui ont cherché refuge derrière la frontière. À l'intérieur du Tchad, ceux qui sont restés vivent quasiment coupés du reste du monde. À Iriba, les seuls soins apportés à la population depuis 3 mois ont été ceux du docteur Ronnie Broman en mission exploratoire pour Médecins Sans Frontières. Ses conclusions sont significatives. Il faudra envoyer d'urgence 2 équipes médicales complètes. Ouvre la bouche. Voilà, très bien. Isolés, les combattants le sont aussi, qui chaque jour se mettent à l'écoute du monde pour y chercher une solution à leur guerre. Qui devait se tenir aujourd'hui à Lagos à propos du Tchad. Ces précisions ont été fournies à l'instant dans la capitale du Nigeria. Dans le problème tchadien, force est de constater qu'il y a eu beaucoup d'efforts diplomatiques, soit dans le cadre de l'OUA, soit au niveau des initiatives individuelles d'un certain nombre de chefs d'État, mais nous constatons que toutes ces initiatives ont abouti à un seul résultat tangible, à savoir l'invasion, l'occupation, l'annexion du Tchad par la Libye. Je dois vous le dire très amèrement que nous ne sommes pratiquement pas aidés. Et notre cause a été pendant longtemps mal comprise à l'extérieur. On a toujours la propagande libyenne aidant, on a toujours cru que c'était des divergences entre individus, que c'était une lutte tribale, etc., etc. Dieu merci, aujourd'hui les choses sont devenues plus claires. Néanmoins, les fans jusqu'aujourd'hui ne sont pas aidés sur le plan international. À l'heure actuelle, quelle est la tactique des Libyens d'un point de vue militaire? D'un point de vue militaire,
D'abord, leur premier objectif, c'était d'occuper les villes, les centres les plus importants. Et ça, cette étape, les armées libyennes l'ont réussi. Actuellement, dans le BET, le Wadaï, le Bata, le Kanem, le Charibagrimi, ils occupent pratiquement toutes les villes importantes. Deuxièmement, ils sont en train de fortifier ces villes et également de construire soit des aéroports de campagne, soit également d'agrandir les pistes existantes. Parallèlement, ils sont en train de mener, tambour battant, une action psychologique, de faire tout pour que la population tchadienne adhère à l'idéologie de l'occupant et également concentrer le maximum de forces quand ils le peuvent pour écraser, pour détruire les forces patriotiques, les FAN. Pour l'heure, la situation n'est guère favorable aux forces armées du Nord. Les forces de la coalition, dirigées par Gukuni Wedei et fortement appuyées par les Libyens, sont bien implantées et paraissent pour l'instant indélogeables. Il est troublant de constater qu'elles utilisent une tactique qui offre des similitudes avec celle employée par les Russes en Afghanistan. Ici, comme là-bas, on se hasarde peu à sortir des villes que l'on préfère tenir solidement. Dans la mesure où l'ennemi n'a que des moyens militaires limités, on le laisse tourner en rond dans l'espace jugé inutile, en se contentant d'y semer, d'une manière ou d'une autre, une certaine insécurité. Mais l'armement des FAN est tout de même plus conséquent que celui des Afghans et les Libyens ne sont pas l'armée rouge. Alors, les événements risquent d'évoluer plus rapidement. Je connais parfaitement Gukuni. Pour avoir combattu et vécu ensemble, Gukuni fait sciemment, consciemment, ce qu'il fait. Il est l'allié objectif et subjectif de la Libye. Il est convaincu que le Tchad ne peut pas vivre en dehors de l'orbite libyenne, car pour Gukuni, avant d'en venir au Tchad, c'est d'abord le Tibesti. Gukuni, malgré des apparences trompeuses, malgré des déclarations trompeuses, qui sont d'ailleurs souvent dictées par son entourage, par les conseillers libyens, Gukuni joue pleinement, consciemment, le jeu de la Libye. Et s'il y a dans cette coalition hétérogène une force qui pourrait éventuellement se détacher de cette coalition, ce serait certainement la force représentée par Kamougué. Seul l'avenir dira ce que feront les hommes de Kamougué. Pour l'instant, certaines informations font plutôt état de combats entre les différentes factions de la coalition, dont certaines ne seraient plus aussi favorables à la présence libyenne. Ici, près de Koulbous, les FAN ont rassemblé leurs plus forts éléments et le peu de matériel lourd dont ils disposent. La perte de N'Djamena et les échecs des tout premiers combats semblent oubliés. Après avoir refondu l'organisation militaire, on s'entraîne en pensant à l'avenir. Issenabré, la situation aujourd'hui ne vous est pas favorable. Le moral de vos combattants doit s'en sentir. Le moral des combattants des forces armées du Nord est excellent pour une raison très simple, c'est que ces combattants combattent pour une cause qu'ils connaissent. La dernière attaque contre la zone FAN a eu lieu le 12 mars dans l'ouest de Wadi Barit, près de Koulbous. Attaque mal montée qui s'est soldée par un échec pour les Libyens. L'attaque du 12, les Libyens ont d'abord pénétré dans le territoire soudanais avant de nous attaquer ici à Wadi Barit. Ils ont passé par le nord, à l'intérieur même du frontière soudanaise, et ils nous ont attaqué ici vers 2h dans l'après-midi. Et nous avons pu repousser l'ennemi sur place, récupérer voitures et armes lourdes. Nous avons tué sur place 40 bonhommes et 11 faits prisonniers.
À ces prisonniers des forces armées populaires de Goukouni, les fans donneront au bout de quelques mois le choix entre le retour chez eux ou l'enrôlement dans leur rang. Chez les combattants de la coalition, il semble qu'on fasse de même, comme si entre Tchadiens, on voulait éviter l'irréparable pour l'avenir. Alors, comme preuve, je vous montre un béret libyen qu'on avait récupéré sur un cadavre libyen. Et deuxième preuve, nous avons une carte d'identité libyenne. Et troisième preuve, nous avons également récupéré une feuille de route délivrée par les autorités militaires libyennes et une carte militaire des forces armées populaires, des FAP. Vous avez été fait prisonnier le 12 mars. Que comptez-vous faire aujourd'hui? Rallier les fans? Oui. Pourquoi? Pour mon pays. C'est-à-dire? Parce que les Libyens sont venus rentrer chez nous. Et pourquoi combattiez-vous avec les FAP avant? Non, on ne sait pas. Il nous a trompés. Dans l'ensemble, ce sont des très mauvais soldats. Et je pense que cela s'explique parce que le soldat moyen ne sait pas très bien pourquoi il vient se battre au Tchad. Mais par contre, les moyens matériels compensent cette infériorité du soldat. Ces moyens matériels sont énormes, les chars, les armes les plus sophistiquées, les avions de toutes sortes, y compris les Mirage, les MiG, les Tupolev, les avions italiens, les hélicoptères russes et américains. Enfin, j'en passe. En fait, sur le plan tactique, sur le plan de l'organisation, de l'occupation, de la guerre, sur le plan de l'utilisation des engins sophistiqués, chars, avions, sur le plan de l'encadrement, effectivement, ce sont des Russes, des Allemands de l'Est, des Cubains et également d'autres éléments de nationalités diverses. Nous avons pu même identifier un Finlandais. À ce moment, on a des blessés qui ont des éclats, des obus, et puis des balles qui ne sont pas exprès. Ça fait à peu près pour une durée de 2 mois qu'ils sont là, et c'est ça qui nous préoccupe. Vous avez des médecins avec vous ici? Ah non, on n'a pas de médecins. Vous savez, on n'a que des infirmiers qui ont servi dans les dispensaires FAN. Alors ils font de leur mieux pour le moment. Tout ça passe dans le mieux. À part ça, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude, sauf dans le domaine chirurgical. Par contre, vous mettez un bandage ici. Un bandage tout court. Un bandage là. D'accord. Alors, ça va faire pour le second. Et pas bouger pendant encore un mois et demi. Oui. Pour la bande. Ça, c'est une balle qui a traversé. Oui. C'est la sortie. La sortie. C'est ici la sortie. Rentrer, t'as... L'envoyé de Médecins Sans Frontières ne pourra que constater la modestie des moyens sanitaires dont disposent les femmes. Alors, on va... C'est la fin du mois de mai. D'accord. Alors, on va enlever. Dès que tu fais... Ça fait longtemps qu'il l'a avec là ? Ça fait combien ? 3 mois. Il y a quelques milliers de plus haut et crac. Il avait un œil foutu. Là, il s'est fiché dans... Tu veux qu'un plancher orbitaire, il a buté sur l'os. C'est ce qu'il a arrêté. Ici, à Bao, au cœur du massif de l'Enedi, la vie se poursuit comme dans tous les autres PC des fans, avec les patrouilles, les alertes, la routine.
Ah.